sur la fin, je filmais flou. J'étais pas confiant, donc j'ai préféré arrêter. Bizarre. Et là, du coup, j'ai la molette de zoom ou Ah oui, j'ai la molette de zoom, donc faut que j'appuie. Comme ça, je verrouille le zoom et il n'y aura pas de zoom accidentel. Alors, j'ai encore eu un doute, Nayonet, avec l'électronique. J'avais l'impression, j'étais à 50 minutes et j'avais l'impression qu'il te filmait au loin en super flou, comme si la focale était foireuse. D'accord. Donc j'ai tout réteint et tout rallumé pour que ça se réinitialise. Je l'avais déjà fait dans une promenade précédente pour sauver la vidéo. D'accord. Alors là, tu vois les câbles là, ils sont tendus. Oui. Mais là-bas, ils sont penchés à fond. Là. Oui. Pourquoi? Oui, bah, tu as raison dans ton observation. Il y a du jeu dans les câbles et. Ouais. Ou alors, tu sais, mouvement géologique, il y a les deux pylônes qui se sont rapprochés oui. L'un vers l'autre, et du coup, il y a du jeu dans le câble, c'est moins tendu. Oui. Ce qui fait que ça finira par toucher un arbre et s'enflammer. Le truc pas cool. Bah ouais, normalement, je sais pas comment ils font leur tournée et au sol et avec aéronef. Mais normalement, ils sont censés survoler et vérifier de l'état de leur ligne plus ou moins régulièrement, mais je connais pas la fréquence de contrôle. Et là, quand ils verront ça, ta remarque est très juste. D'ailleurs, on voit là-bas des ruines de je sais pas quoi. Il faut retendre les câbles. Là aussi, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour deviner qu'il y a un problème. Oui, alors là, je réactive le mode zoom. Et je fais la molette, pardon. Regardez la bâtisse là-bas qui est dont il n'y a plus de toit. Regarde l'avion, tout noir. Ouais. Alors, attends, je vais essayer de filmer l'avion. EDF, c'est marqué. Et tu rigoles, mais ce serait un patrouilleur de chez EDF, ce serait pas mal. J'arrive pas à suivre avec ma. Je ferai un mauvais radar. Hein. Le temps que la perche suive, là, je suis en train de filmer le ciel, mais sans avoir l'avion qui se barre et qui va plus vite dans le ciel que ma perche. Au niveau de la rotation. Donc j'ai l'air absolument ridicule. Donc je vais arrêter mes âneries et je vais revenir en plan normal. Voilà. Je remets ma casquette parce que je re-rôtis du crâne. Et on va arriver là où il y a de la vie animale. Bonjour la vache. Bah oui la bonne vache, regarde. Ouais. Elle va nous charger, schlac. Non, elle est sûrement en train, tu vois, elle broute paisiblement, on n'est pas des menaces, elle est en train de se dire mais ils sont cons ces humains. Alors elle me fixe là, elle me fixe. Et... Ah tiens. Bah oui, lève l'oreille gauche, pourquoi? Ouais. Bah oui. Les jeunes toi, dis donc. Bah oui, ils sont beaux. Ah là là. C'est la vache, elle va me répondre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, fais attention, ma grande, t'approche pas trop parce qu'avec les barbelés pour nous dire bonjour, c'est pas une bonne idée. Ça pique, fais attention, ça pique. Ouais. Bon, allez, salut, à plus. Ah, il y a des petits points d'eau. Eh, c'est vachement agréable. Madame et le monsieur. Je sais pas, ils vont. Je sais pas. Mais j'apprécie, tu vois, d'aller dans zone non balisée. Il se gratte la tête avec son sabot arrière. Ouais. Ils nous regardent, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils font?
Excuse-moi, je suis intéressé par le panneau 70 en énorme. La canalisation de gaz haute pression à proximité. Ah oui, j'en ai déjà vu de ces panneaux-là. J'en ai déjà vu. Donc en fait, il y a une grotte conduite de gaz en sous-sol avec du gaz comprimé qui circule. Ouais, on voit la tourtière à la ville là-bas, ouais. Je sais pas comment ils font pour poser. Je sais pas, je suis pas du métier, je connais personne du Dans métier. la campagne de Nancy. Ouais, la Cambrousse nancéenne. Où est-ce qu'on va aller? On traverse le champ comme ça Non, j'avais suivi la clôture avec les vaches là déjà, tu vois. D'accord, ok. Je suis tellement content de voir quelques animaux. Peut-être qu'il faut envoyer des vaches, non? Je sais pas. Bonjour les belles bêtes, oh, bah évidemment on intrigue forcément. Bah oui. Attendez, je vous filme. Vous êtes les stars du jour. On n'a rien à vous donner, hein, je vous dis tout de suite les animaux. Oui, c'est tout sec chez eux. Ils Oui, sont c'est tous vrai là, là c'est un grégaire, regarde, ils nous suivent tous. que. Ouais, mais le. Qu'on appelle ça? Ouais, c'est vrai que leur pâturage est plutôt sec. Oui, je crois que le mouvement de tête, il a dit les enfants restaient à l'arrière. Bonjour les animaux. Alors je vous dis tout de suite, on va rien vous donner, Non, on désolé. n'a rien, désolé. Rien du tout. Et vous qui. Ouais, n'allez pas vous piquer contre le. Oh là Ouais, là. je Oui, surtout les plus jeunes. On N'allez est vieux pas. aussi. Ouais. Non, je plaisante, contrôlez ça bien, s'il vous plaît. Ouais, n'allez pas vous frotter aux barbelés, les pauvres. Oh, ils sont beaux. Bah, ça leur fait un peu de compagnie. T'as vu, c'est un bœuf, il a des cornes. Ouais. Ils sont beaux comme tout. Bébé. Ah, c'est bien aujourd'hui, au moins tout le monde a un peu de vent, on respire. Je vois les grands, ouais, les plus jeunes, de plus petits gabarits. Je pourrais pas dire de quelle année ils sont. Oh, ils sont mignons comme tout. Rendez votre écho, mesdames. Ouais. Eh bien. Oh, vous avez des. Regarde les tas de mouches qu'ils ont pour certains d'entre eux. Ah, il y a de l'herbe verte, t'as vu? Ouais. Et j'avais. J'avais. Comment dire? Elles sont beiges, hein. J'avais un copain qui était éleveur bovin de famille, là. J'ai perdu contact. C'est dommage parce que j'aimerais bien avoir un avis éclairé d'un professionnel en disant tu peux faire ci avec le bovin, tu peux pas faire ça. Internet entre deux tout. Oui, mais j'aimerais avoir des sources certaines avec des professionnels qualifiés, tu vois, et pas des sophistes qui prétendent détenir la vérité et qui finalement te débitent des âneries, ce qui, je vous le confesse, est souvent mon cas. Sophiste, c'est Socrate, c'est ça? Non, sophiste, c'est pas raccroché, raccroché. En lien avec Socrate, c'est le fait de faire du sophisme, c'est-à-dire croire, justement détenir une vérité et la diffuser, sauf que bah, c'est faux. C'est pas une vérité vérifiée, et pourtant on est certain de ce qu'on dit, mais on est pourtant dans l'erreur. Eh bah, dis donc. Bah oui. Ah, ils sont tous mimi. Ciao, ciao. En même temps, je me demande si dans le regard, ils ne suppliaient pas. Du genre, donnez-nous de l'herbe fraîche, vous êtes du bon côté. Bah oui, mais on n'a pas le droit. On n'est pas vos propriétaires. Coucou. Ah là là. Ouais, la Wörth serait là-bas. Et là-bas, c'est le canard, je Ah, pense. ah, ah.
Moi, je suis curieux d'aller le longer de la limite. Hein. Je me demande jusqu'où ils ont clôturé. En fait, ça fait 40 000 km. Tu continues tout droit. Tu peux revenir là, mais c'est 40 000 km. C'est plus tard, on se retrouve en Allemagne au bout de 7 jours. Ouais. C'est intéressant de partir comme ça à n'importe où. Et ensuite, on prend le train pour rentrer. Ouais. Ah, c'est piégé. Non, c'est ok, merci. Aïe, oui, bah, pff, au moment où tu le dis, j'ai failli me tordre la cheville. J'ai posé mon pied de traviole en biais. Oui, c'est plus plat du tout, oui, effectivement. J'ai intérêt à poser des I4 noms. La semelle sur le sol. Possible. Ah oui, c'est vraiment casse-gueule, j'ai encore failli me tordre la cheville. Pardon. Des réserves de gisques, ils vont pas lancer de culture peut-être. Ah non, il y a des bovins, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais là, ça a l'air symboliquement. Ah oui, là, ça fait très Minecraft ou Far Cry. Ah oui, il y a Far Cry. On va vers les autres bovins en face, au côté de l'église, là, cathédrale. Oui, mais c'est marécageux au milieu, je crois. Ah, merde. Donc on va peut-être pas y aller. Ah. Ah oui, tu as raison, on est sur des terres dangereuses. Oh, le bordel. Les Uncharted Lands. Oh, il y a des belles vaches marrons là-bas. Et puis celles-là, ouais, elles sont plus costauds. T'as pas intérêt à les agacer parce que sinon elles te tuent à la charge. Je sais pas si vous les verrez. Là, j'ai la flemme de zoomer, pardon, mais la manière dont je tiens la perche. Ah. Ouais. Bon, bah, est-ce qu'on déclare qu'on est arrivé à notre limite d'exploration et qu'on fait strictement le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure, ou presque? Ouais, parce que moi je proposais de rentrer le long de la Meurthe, mais ça a l'air d'être la route, mais on n'a pas trop de choix en fait, vu qu'on a fait de la route en terminé. C'est toi le chef, l'aventure c'est l'aventure, on a trouvé notre limite. Voilà, tu veux faire une pause pour les 50 minutes? Non, j'avais coupé à cause du zoom à la noix, donc là je pense que je peux encore tourner 3/4 d'heure, ce qui nous fera 1 heure. D'accord. Et il est vrai qu'après ce délai, comme les personnes, on passe par là le long du... Non. Je te suis, oh, Nayonet. Ils sont passés par là. Et, du coup, et après, je m'expose effectivement à un potentiel risque de batterie morte, enfin de fin de batterie. Et il faudra peut-être que je trouve moyen de porter tout le bordel en rechargeant simultanément. Bien que le téléphone est rechargé durant la pause déjeuner. Mais à la reprise de tournage, enfin la reprise de tournage, oui, j'étais à peine plus de la moitié de la batterie. Donc, à mon avis, les dernières vidéos vont être assez sport à être filmées. Je sais pas, je me débrouillerai. Mais qu'est-ce que tu fais à zigzaguer dans le champ? Ah oui, parce que c'est tellement étrange de devoir aller à gauche, à droite.
Ok. Ça va, j'ai préservé mes chevilles jusqu'à maintenant. Des os, col vertébral, ouais. Ouais, non, mais c'est ta raison, c'est un bof, hein, qui s'est fait bouffer. Effectivement, la marque au sol était significative. Là, on voit à droite, hein, si tu veux filer le... Déjà fait. Ouais, ouais, on voyait là. Là où j'avais filmé le pick-up avec les ouvriers qui surveillent l'endroit à protéger. Payer un coup de soleil en fait. Ouais. J'ai la crème solaire. Oui, c'est vrai que moi j'ai le temps de ne pas en mettre dans la nuque. Dans la famille ? Ouais, généralement j'ai la nuque qui morfle, mais là ça va aujourd'hui, c'est... ça tape pas tant que ça. Mais c'est déjà bien que j'ai préservé mes avant-bras. Merci que tu aies pensé à la crème solaire. Parce que ça me tape un peu en fait. Eh ben vas-y, vas-y, moi je vais revoir un coup. Du coup, je vais peut-être t'en chipper une lichotte pour mettre sur ma nuque. Du coup, ce sera fait. Ah! Oula, attention. Oulala. Tu en veux un peu sur la nuque aussi? Ouais, s'il te plaît, je vais t'en chipper un peu. Ah, 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 ah. Merde, je vais bousiller là.
Aïe 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 aïe. Je crois que la perche s'est coupée, elle a pas aimé ce que je lui ai fait faire. Ouais, j'ai fait le con là. C'est ça. J'ai pas quand on était à la forêt de Hure, on est quand même couvert, mais là, le soleil doit taper, ça va pénétrer les UV. Attends. La perche pour je veux bien, ouais. Attends, j'ai la main toute collante. C'est pas grave, il y a la chaussette. C'est que j'ai mis une chaussette. Merci Nayan, t'es adorable. Elle tourne ? Oui, elle tourne. T'es invité à bien filmer. Ah, il dit un truc. Mm-hmm. Moteur protégé, veuillez reprendre. Ouais, je vais reprendre, ouais. Je vais, t'inquiète. Mais c'est ma faute. C'est vrai que j'aurais dû la couper, ne serait-ce qu'au moteur, tant pis pour la vidéo. Si ça avait été branlant, le temps de manipuler le sac et les affaires. Vite pour regarder. Oh. Merci. Tiens. Oh. Oh, bah le camion de carrière. Oh la vache, il va à fond le gars. Ouais. Voilà, excuse-moi la perche. C'est vrai que j'ai mal mené la perche. Mmh. Ouais, merci. Ouais, au moins je protège la nuque pour la deuxième partie. Parce que je pense que la nuque va prendre encore pendant 3 heures le soleil. Protéger pour 3 heures. Ouais, c'est cool. T'es un chef, merci. Ouais, on a des sacs vraiment géniaux. D'ailleurs, à force de le dire, on va finir par être sponsorisé par la marque, je crois. Ils vont nous voir, ils vont nous contacter, on vous sponsorise de suite. On vous souhaite 100 euros par saison. Et à chaque vidéo, vous parlez de nos sacs. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis bien sponsorisé ETS et ATS, TS2. Ouais. Non, c'est une légende, ça, c'est faux. Par contre, je suis une légende dans le jeu. Honnêtement, je devrais jouer un contrat sur notre marque de sac cadeau. Ouais. J'accepterai le contrat parce que, évidemment, on est une très petite audience. Mais je trouverais honnête de dire, quand j'estime que mon sac est complètement usé et qu'il est temps d'en changer, je vous cède mon exemplaire usagé en preuve. Et vous m'en cédez gratos un neuf, même modèle. Ah, renouvellement assuré à usure. Alors, je pense qu'un sac bien entretenu comme ça, on le garde 10 ans au moins. J'ai gardé 14 ans mon sac précédent, mais il était à 10 ans. Mm. Il était encore. Il était fonctionnel, mais il était à 10 ans. Ouais, ouais. Hein, c'est bien. C'est un Targu, ça. Non, c'est quoi la marque? C'est Suisse, quoi? Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est pour plus dire non plus, mais bon, bref. Ah ben, bravo, on va sponsoriser la marque, on n'a pas retenu le logo. On retient le logo. Moi, je l'ai en couleur, pas toi. Non, mais moi, je te rappelle que c'est un cadeau. C'est mon adorable maman qui m'a offert ce sac-là, parce que j'avais précédemment un autre sac à dos que je conservais pendant des années, comme toi, fonctionnel, mais qui était défoncé. Mais attends, tu vas rigoler, mais ma mère, elle a fait pareil, c'est celui-là, j'ai acheté celui-là. On a beaucoup de points communs, nos pères avaient le même dentiste, on a eu le même dentiste, écoute, nous avons des vies étrangement parallèles tous les deux. On est nés la même année, dans la même ville. Ça n'a pas de sens. Pourtant, il n'y a pas eu 40 ans. Ouais, bah écoute, les statistiques ont volé, tu sais, c'est la magie de la vie, hein, y a de ces trucs comme ça. Chibidi, chibidi bidou.
Oui, c'est joli. Oui, bah, mon ancien camarade de classe qui était justement de famille dans l'exploitation d'élevage bovin, il affirmait que son père, qui était costaud, qui faisait plus d'un quintal, il faisait 110-120 kilos, et plus du muscle, de la graisse, il paraît qu'à bout de bras, il les soulevait. Faut le faire, hein? Faut le faire, mais à bout de bras, il les soulevait. Oui. Limite, ça m'aveugle. Oui, oui, oui. Ouais, il y a une réverbération de la lumière. Comme le fait de devoir porter des lunettes de ski teintées. Et surtout mettre des lunettes au soleil, c'est bien pensé. Mm. La première fois, j'y pensais. Bah, moi-même. Le soleil et Castaldi, tout midi, on a parlé de. Il a mis ta phrase pendant que je réfléchis. Oui, ben moi j'ai la chance d'avoir des lunettes correcteurs qui corrigent ma vue, myope, plus filtre bah, solaire, quoi. Ah oui, le vrai café. Tu vois, toujours mon but, c'est obligé de se taper la route. Oh là là, oui, c'est chaud. C'est pas long, hein, c'est juste. Puis ensuite, bah. On tourne sur le pont et on reprend le canal. On reste de notre côté, du bon côté de la rambarde, côté des arbres. Je sais pas si c'est assez large, mais on va un peu essayer de faire. Finalement, le long du champ, on va marquer sur le champ de mon préfère. Le champ qui est juste là, la bourre. L'aventure, c'est l'aventure. D'accord. De quoi? Ah, la voiture. Ah bon. Thank you.
Aïe. Oui. J'oserais dire que la progression est difficile. Aïe. Ouch. Aïe. Je veux bien. Oh putain. Oh là, oh. J'allais me casser la gueule. On peut le dire. Au moment où je t'ai cédé la perche. De pas avoir de bagnole. Ah oui, oui. Avec la Renault du Japon. Je suis centré à chaque fois, mais. La prochaine fois, promis, on va sur l'autoroute. Hein. Quand tu me passes la perche, il faut que je la réhabitue à se stabiliser. Ouais, ouais. Voilà. Alors on va pouvoir se ranger sur le... Donc, je vais faire un petit tour. Ouais, côté pylône, ça vaut plus d'aide. Là, on est en relative sécurité. Des pylônes ici. Oh la vache! La zone des pylônes électriques. On voit que tout Grand Nancy est alimenté à partir d'ici. On démarre? C'est parti! Allez, ici les immeubles qu'on avait vu le long du canal tout à l'heure. Ah oui, la Californie ou je sais plus ouais, quoi. Ouais, les lotissements qui étaient pas mal en construction. On les voit d'ici, donc c'est bien, on est déjà sur la... Oh, j'ai contraint là de la perche. Ah, faut pas serrer dans l'air. J'ai fait une petite contrainte à la perche. Oui, voilà. J'ai saisi du mauvais endroit. Allez, doucement. Bon, stop. Alors qu'elle n'avait pas de véhicule en face. Bah, c'est une jeune conductrice, elle était toute seule. Oui, mais c'est bien. Bon réflexe, elle s'est écartée, elle avait plus d'un mètre de sécurité, c'est deux normalement, c'est très bien. Très bonne conductrice, un bon point. Il me semblait qu'en campagne c'est 1m50 et en ville c'est 50. Ouais, ouais, mais très bon réflexe. Très bien, la madame, là, elle est exemplaire. Ça fait plaisir à voir. Attention, c'est parti. Oui, pardon. Toi, je vais te laisser avancer un peu plus vite. Attends, n'accélère pas, j'ai moi qui vais trop vite. Voiture. Il y a du vent. Hein. Il va à fond la caisse.
va être chaud à l'intérieur du virage. Ouais. Heureusement que c'est l'intérieur du virage et pas l'extérieur. Ouais, et ça, c'est pas bon signe. Ah oui. Il y a deux croix, c'est-à-dire qu'il y a eu deux morts renversées sur cette route. Alors, serrons bien sur le gazon, s'il te plaît. Ouais. Ça me perturbe. Ah non, je crois que c'est une deuxième croix ou alors oui. Une très ancienne. Ouais. On marche bien sur le gazon en fait. Ouais, ouais. Bon bah les 25 dans le. Dans le pardon. J'allais dire un gros mot. Ah et des chardons houille. Ça pique surtout. Oh, une petite maison usée, petite ruine. Ouais, la bâtisse de tout à l'heure, c'est un toit. Il y a des voitures quand même. Ouais. Bizarre. Oula, c'est la porte. Ah, ça va, il nous voit. C'est de l'orge, hein, c'est des grands poils. Yep. Suburbain. Allez, c'est parti. C'est parti. Champ de blé sur la gauche. J'endorge, pardon. J'ai envie de leur montrer. Oui, c'est bien. Je m'arrête un petit peu, je tourne la perche. Vas-y. Elle veut pas. N'oublie pas le bouton, le joystick. Oui, je connais, t'inquiète pas, j'ai bien un champ de d'orge donc. C'est des grandes équivalents au blé, mais avec des grandes poils. Et là, c'est le sage de Nancy avec sa casquette rouge. Sa chemise verte. Là, ça va être difficile de passer. Bah ouais, mais... Attention. Oups, je fais n'importe quoi avec la perche.
Ça, pour les agriculteurs, c'est un calvaire qui est des plantes mauvaises herbes qui poussent dans le champ d'orge parce que tu ne peux pas récolter la partie-là. Puis il n'y a pas de trieuse. Enfin, si, les machines batteuses, ça trie les graines, mais là, il peut y avoir des anomalies. C'est ça qui met un grand coup de désherbant, de fongicide. Crétin en voiture. Oui, bah oui, on dirait. C'est la troisième canette de métal de boisson. Bonjour, il y en a quelques-unes déjà. Voiture. C'est quoi à droite? C'est quoi comme... Je sais pas que c'est que la céréale à droite qui pousse le jaune. Ouais, je sais pas non plus. C'est pas du colza? C'est peut-être du colza. Peut-être de l'avoine. Ouais. Oh la vache, on voit quand même qu'il fait chaud. Tu vois les ondes de chaleur du... Ah oui, oui. En plein désert, là, ces émissions n'auront pas droit à un mirage. Donc la mer, t'es juste à notre droite. Yep. Alors attends, deux secondes. Non, je crois qu'on va continuer. Mais bon, en fait... Un canyon vert. Vous savez, encore de la batterie, c'est tranquille. Il est à fond celui-là. Incroyable. Un masque. On trouve même des masques pour la pollution. Et je n'ai rien à faire de l'avenir de la planète. Même de leur descendance. Ouais. Quand ils vont se réincarner dans la même ville, ils vont pas rigoler. Il y a des moments, tu vois, je serais limite à prendre une pince comme les agents municipaux et un sac poubelle pour dégager tout. Ah, j'aurais su, franchement, je l'aurais fait. Quitte à prendre avec un sac supplémentaire, mais ça me coûte. J'ai déjà fait plus, il y a quelques années, le long de la Meurthe. La Meurthe qu'on avait faite, je sais plus si je vous avais raconté, j'avais fait ça. Parce que j'avais remarqué à un début d'été qu'il y avait des merdes partout, j'en pouvais plus, c'était dégueulasse. Et bah c'est une anecdote à vous raconter, tiens. Et j'avais ramassé, j'avais pris mes gants de jardin pour pour pas me blesser et me salir. Et je me suis retrouvé avec deux gros sacs poubelles le long de la rivière, à peu près le parcours qu'on avait fait avec Nayonet précédemment. Attention une voiture. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu fais, j'ai envie de dire, une rare bonne action... Attention, fais gaffe, je t'ai jeté dans la caméra, t'inquiète. Ouais. Tu es
est vu par les autres en train de faire une bonne action, c'est étrange. Tout le monde s'y met, c'est très humain. J'ai un gars qui bossait dans une exploitation agricole toute proche, il m'a vu et il faisait une manœuvre avec son bulldozer. Le gars, il s'est arrêté, il m'a dit « Eh vous, vous mettez vos sacs poubelles dans la gueule de mon bulldozer, je vous embarque ça à la déchetterie, merci pour votre geste. » Ouais, c'est bien. Ouais, sérieux. Et il s'est barré, il m'a débarrassé des déchets, je lui ai dit « Merci mec, ciao. » C'est dingue. Enfin ouais. Bref. C'est pas pour me donner une couronne de laurier que je vous raconte ça, mais je l'avais même oublié l'anecdote. Vous savez qu'on parle des déchets, pour que je m'en rappelle, mais... Enfin bon bref, là aussi il y a long à philosopher. Eh, pas mal les baraques avec la verdure en façade. Ok, attends, je vais filmer. On s'arrête un peu? Ouais. Je veux qu'il y a personne. Attends, je tourne un peu la caméra. Ouais, il y a les belles façades végétalisées. Je suis pété en ligne. Trop vite pour la caméra. Et là, tu fais les deux sur la route, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou. Oh le bordel, non, mais c'est triste. Hein. Ouais. Oh, une libellule toute rouge. Une Sophie orangée vif. Je peux pas la filmer, elle va non, trop vite. Mais, et franchement, elle était orange vif, elle était magnifique. Pour l'herbe. Je penserais bien, moi, tu vois les gars, bon, c'est pas, je suis mal placé pour le dire, mais les gars qui sont devant le magasin auquel je fais les courses quelquefois, oui, qui sont en train de mendier tout ça, je les enverrais bien comme toi sur les bords des routes ramasser les merdes. Ouais. Parce qu'ils font, ils sont là depuis au moins 2 ans à boire des bouteilles et à faire chier les clients qui valaient dans le magasin. C'est ça? C'est un boulot qu'ils pourraient faire. C'est pas trop fatigant, ils sont dans la nature, ils ramassent les déchets et c'est pour le bien pour la communauté. Bon, excusez mon quart d'heure, ma minute extrême, pardon. Ah, ça aurait fait ton coup de gueule du jour. Ouais, c'est vrai que ça serait propre de ramasser tout. Ouais. C'est vrai que ça fait mal à la main. À la main, je dois tenir. Oui, ta main, tu l'as vu? Ouais. Non, pas ta main. Moi, je sens le muscle qui tend, quoi. Ah oui. Ah bah ça travaille. Je suis bien content que tu me tiennes la perche. Voilà.
Je tiens la perche. Je me suis pété un ongle. Ah non, non. Je suis entre guillemets ma blonde, mais je me suis pété un ongle. Oh, je me suis cassé un ongle. Pédélope joli cœur dans sa voiture. Voiture rose. Attends, voilà, je suis avec le virage. Voilà, ça change de la forêt, mais là qui sont passionnés par la forêt. Moi j'aime bien quand ça varie, décor, mini-civilisation, mini-nature. Ouais, c'est temps pour les vendre. Bah, j'aime bien quand c'est civilisé, j'aime bien aussi quand il y a un peu de nature, que ça fasse varier quoi. D'accord. Que ça fasse varier. Ouais. Que ça fasse un paysage varié. Pardon, je recommence. Un paysage varié. J'ai pas dit à varier, hein. Ça pue, casse-toi avec ta moto. Ah, ça pue, ouais. Ah, il pollue à mort. Ah, c'est dégueulasse. Il faut que tu fasses réviser son pneu. Bah, il fait cramer son huile en fait. Donc là, on va aller jusqu'au bidule. On va marcher là, non? Bah, on va attendre que les véhicules passent. J'aimerais avancer encore un peu sur le bitume, mais il faudrait qu'il n'y ait pas de bagnole. Ah bah, eh. Le pont. C'est la passerelle qu'on avait passée tout à l'heure. T'imagines, t'installes une application qui détecte la vitesse des véhicules, et après, si tu diffuses la vidéo, tu marques la vitesse à laquelle le véhicule passe, et puis après, tu te fais appeler par les flics. Oui, non, mais en fait, il faudrait apporter la preuve, là. Vous n'avez pas prévenu la police. Je suis pas sûr que d'ici l'extérieur, visiblement, on peut passer, mais je sens qu'il y a beaucoup de végétation pour la tente. Ouais. On va voir. On va voir. On va voir. Tiens, ma queue, là-bas, elle est plus rouille. C'est l'aventure. Wouah ! Sur régime. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de serpent. Et là, clac ! Oh, encore des déchets. Bah, parfois, pour décrasser le véhicule, c'est pas une mauvaise idée, mais oui. C'est-à-dire que rester comme ça en rapport au régime pendant quelques minutes, 3-4 minutes, une fois par mois, si vous utilisez régulièrement votre bagnole, ça permet d'entretenir, de décrasser un peu. Mais sinon, c'est de la surconsommation. Ouais. Ah bah oui. Là, je crois que c'est compromis. C'est très dur de passer. Il y a des ronciers. On va passer de l'autre côté en plein virage, le truc qui est vachement dangereux. Tu tiens la perche ou ça va? Non, c'est bon. Vas-y, prends-la. Moi, je passe en face. Passe en face, tu veux. Ouais, non, là, c'est trop casse-gueule, il y avait trop de végétation. Ouais, ça va. Ah, c'est parce qu'il y a un mini cours d'eau en fait. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et voilà, c'est la bande cyclable qu'on arrive. On arrive sur le canal. Ça fait peur. Hein. Ça fait franchement peur.
Pourquoi? Ah, il n'y a plus de plus d'eau. C'est ça. Oui, c'est une... Chercher l'erreur. Coucou, ombre chinoise. Ah oui. Il n'y a plus d'eau. C'est pas beau. Ouais. Vilain. Oh, le cochon. Ah oui, pollueur. Je te prenais sur le fait là. Ah. C'est biodégradable, c'est pas bien. Il m'a tué un tympan, le monsieur motard de roue. Gris. Pouah, quand les hydrocarbures qui puent. Ah, oh, mais c'est infect. Ah. Oh. Neuveville, y'a Neuveville, Cavagnacci. Là, j'ai une bande kilométrique, nous sommes au point zéro. Ça, le zéro, ça veut dire point zéro. On démarre d'ici pour la M126. C'est rigolo. C'est bien. Oh, tiens, je vais faire une pause d'enregistrement, puis je vais reprendre, parce que la batterie pourrait lâcher.